Il y a 2 ans et demi, on était fauchés avec Baptiste et donc on a décidé d'aller jouer dans la rue pour récolter quelques pièces. Il a eu l'incroyable idée d'amener Maximilien qui nous a rejoint et ce jour-là, Winter Roots est né. Un petit peu après, on faisait notre premier concert et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on vous reçoit dans la salle du Delta. C'est une consécration pour nous, c'est un moment incroyable pour pouvoir remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans cette aventure qu'on a vraiment envie de partager avec vous. À la sortie de l'album, mi-novembre, l'idée de la release party trottait pas mal dans la tête. Cette idée a été un peu balayée par certains, en disant que c'était pas forcément la priorité, qu'il y avait d'autres trucs à faire avant. Et puis, on a un peu forcé les choses, on a rencontré de chouettes personnes. Et ça s'est concrétisé, on est arrivé au Delta avec Adrien un jour après-midi, et entré dans cette magnifique salle, ce magnifique endroit. Et quand on a vu la salle, la scène surtout, on s'est dit « Waouh, ce sera énorme, mais seulement gros challenge, il faut remplir cette salle. » Et puis finalement, elle s'est remplie en 4 jours. C'est juste énorme ce qui arrive. Qu'est-ce que je peux jouer ? Le but du Delta, c'est tout simplement d'arriver à faire le meilleur show qu'on ait jamais fait. On a vu toute notre vie des artistes de fous qui faisaient des shows incroyables et nous, on a envie d'évoluer aujourd'hui mais aussi dans le futur. Et donc pour ça, on fait une résidence de 4 jours où on bosse comme des malades, on répète le show pour vraiment offrir quelque chose de qualitatif aux spectateurs, quoi. Donc on est en autoproduction, ça signifie qu'on gère tout ce qui est logistique et ça signifie forcément que l'arrivée au Delta c'était juste un énorme bordel. Tout simplement parce qu'on n'avait pas prévu, on a amené tout et puis on s'est retrouvé le matin, on a fait « Ok, il faudrait peut-être organiser tout ça » et voilà, mais après ça s'est bien passé, mais quand vous devez penser à décharger votre guitare puis à prendre votre voiture, aller la garer et ne pas oublier la casserole de bolognaise dans le coffre, ça devient difficile quoi. Il faut savoir que pour cette release d'album, nous avions la volonté de faire intervenir un maximum d'acteurs namurois. C'est pourquoi nous avons fait appel à Insolite & Co, un magasin de décoration vintage, qui sont aussi décorateurs. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés avec 3 camionnettes remplies de décorations, un truc de fou. C'était trop bien pour vous en mettre plein les yeux et se faire plaisir pour ce concert. Thank you.
country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads, country roads. Vu qu'on est des gens ultra détendus dans le groupe, ça fait à peu près 4 mois qu'on stresse, et il y a 2 semaines de ça, j'ai fait le pire rêve du monde, digne d'un film quoi. Donc j'étais dans le Delta, tout au fond de la salle, je regardais et il y avait Baptiste sur scène qui commence à jouer A Few More Steps. Et là je me dis, ah bah c'est cool, ils font le concert sans moi. Du coup j'étais déstressé. Et puis Baptiste me regarde et il fait, viens, viens. Et je fais, merde, c'est à moi en fait. Du coup je me lève. Sauf qu'au moment où je me lève, je me rends compte que je suis dans un vieux slip blanc, banane comme ça, enfin un peu kangourou. Et puis j'avance jusqu'à la scène, mais dans les rêves, on n'est jamais totalement libre de ses actes, alors j'avais du mal à avancer, comme si j'étais un peu sous, je sais pas. Et j'arrive devant la scène, il n'y a pas d'escalier, et alors j'essaie de grimper, mais elle est super haute, et j'ai mon slip qui tombe, alors je le rattrape, je remonte. Enfin, c'est l'enfer, et puis une fois que je suis sur scène, on me passe une guitare, et j'ai les doigts tout recroquevillés comme ça, et j'arrive pas à jouer. Et puis à ce moment-là, je me suis réveillé. À part pour cette chanson-là, l'accordage est différent. C'est à chaque fois juste mettre un capot et rechecker les. Hier, j'ai une pote qui est partie. Capot 1. Il faudrait juste changer aussi au niveau de la cinquième corde, mais ça, je te montrerai. On a travaillé pendant 4 mois comme des bêtes pour préparer ce concert. Ça va être une bonne soirée.